Bonjour, bonjour à tous. De nouveau ici avec François. Salut François. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler du mode développeur, du développeur mode. Et en fait, on va juste rapidement vous dire de quoi il ne s'agit pas avant de vous en parler précisément. Donc, il ne s'agit pas du dev channel, du canal développeur dont on a parlé dans un autre épisode, qui est un des canaux de mise à jour de Chrome OS. C'est ça. Donc déjà, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus les Chrome DevTools, dont je pense qu'on parlera à un moment ou à un autre, mais qui permet de visualiser son DOM, de regarder l'activité réseau, toutes ces choses-là au niveau du navigateur Chrome. Ce n'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Donc on est beaucoup plus dans… D'abord parlons de Chrome, le navigateur, donc quelque chose qui s'appelle le développeur mode dans le navigateur, donc quelque chose qui s'applique partout où le Chrome navigateur est disponible. Et c'est quelque chose qui permet de faire quoi? Bah, en gros, quand tu vas dans Chrome 2.slash extension, tu as la liste de toutes tes extensions qui sont installées sur Chrome. Et là-dedans, tu as une petite case à cocher, tout en haut à droite, qui s'appelle Developer Mode. Et celle-là, quand tu l'actives, c'est qu'en général, tu es développeur d'extension ou d'application Chrome. Ça te D'accord. permet entre autres de charger une application dite non pactée. Donc ça, c'est très utile pour faire du développement. Ça te permet aussi directement de demander à Chrome de mettre à jour toutes tes extensions là maintenant, sans attendre les 2-3 heures en général. D'accord. Donc je développe en local, donc je pointe vers le répertoire où se trouve mon appli ou mon extension, et donc il me la fait apparaître, je commence à la tester. C'est ça. Et par contre, si je mets sur le store une des applis et que je veux la mise à jour automatique, là aussi j'ai un autre bouton qui s'appelle Update Extension, mise à jour des extensions, et là aussi je peux l'avoir sans avoir à attendre une période qui normalement est de combien Oh, je sais plus, je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est 2-3 heures, mais je peux me tromper. Ce qui est cool, c'est que Chromium est open source, donc tu peux aller vérifier. Ok, très très bien. Donc ça, c'est pour Chrome le navigateur. Maintenant, on va parler d'un mode plutôt power user de Chrome OS, donc sur un Chromebook typiquement, où on est capable. Alors d'abord, la première chose qu'on est capable de faire, c'est avoir un shell, donc qui s'appelle le développeur shell de Chrome OS. Par défaut, j'ai rien fait sur ma machine. Je peux avoir une ligne de commande qui me permet de faire quoi typiquement là? Donc c'est très simple, très limité. Tu fais donc Ctrl Alt T et tu lances le shell. T'as quoi? T'as un ping, un SSH, un top, donc des choses basiques mais qui peuvent servir de temps en temps quand tu es développeur. Bon, parce qu'après tout, on est sur, On est sur Chrome OS non plus. ouais, sur Chrome OS, il y a un Linux en dessous, donc il y a un minimum d'outils qui sont exposés, notamment Voilà. SSH, tu l'as dit, qui peut être intéressant à utiliser sans avoir à installer une extension SSH. Voilà, bon, mais c'est quand même très limité, et en tous les cas, on n'est pas root, on n'a aucun des privilèges de root sur la machine quand on fait ça. Par contre, donc, si on voulait donc, router sa machine, hein, on peut parler comme ça, on Devenir peut le le maître, faire. ouais. En devenir vraiment le maître. D'abord, je pense que c'est important pour l'équipe Chrome, hein, ça fait partie des Exactement. choses que l'équipe veut faire. En gros, les mecs se disent, si tu as une machine, que ce soit Chrome ou n'importe laquelle, tu devrais être capable de faire ce que tu veux avec. Et c'est pour ça qu'ils ont laissé cette porte qui s'appelle le développeur mode. D'accord, donc si je veux installer un autre OS complètement, C'est ça que tu dois utiliser. c'est possible. C'est possible même virer Chrome OS. Voilà, exactement. Et prendre possession de la machine et du hardware, c'est entre autres pour ça que ce mode-là existe. Très bien. Donc on peut router la machine. Et une des raisons aussi, on a dit un autre OS ou une autre distribution. Bon, en gros, ouais, t'as quoi? Tu peux installer ta propre version de Chrome OS que tu t'amuses à compiler. Tu peux installer une autre distrib Linux du style Ubuntu. Tu peux même booter depuis une petite clé USB sur une autre distribution ou un autre système d'exploitation. Tu peux t'amuser grâce à Crouton. Je sais pas, vous devriez voir un petit lien normalement en bas là. Crouton qui est un super outil qui te permet d'avoir Chrome OS et une distribution Ubuntu à côté. Donc, en fait, ils partagent le même kernel, Exactement. simplement, il y a tous les outils qu'on peut avoir dans une distribution Ubuntu. Ça, c'est En juste génial. plus, mais donc on est bien d'accord, c'est les deux qui tournent en même temps. Ce n'est pas Ubuntu, une sorte Ça, c'est de grâce à grub Crouton, ouais. qui… Voilà. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on met en route? Explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de le mettre en mode… Alors, mettre un device Chrome OS en mode développeur. le développeur mode, en général, c'est relativement simple. Mais tu as une page sur chrome.org qui te liste en fait comment tu fais pour chaque machine. En général, c'est quoi? Tu presses échappe, rafraîchir et le bouton marche arrêt. Et là, tu vas redémarrer la machine. Quand tu vas redémarrer, tu vas appuyer sur Ctrl D, D comme développeur, entrée. Et là, tu attends 10 minutes.
D'accord, 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 minutes? Pendant 10 minutes, il va effacer tout ce qu'il y a sur ta machine, la rendre propre pour pouvoir passer en développeur mode. Alors juste un petit point, parce qu'on a parlé du développeur channel, ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ça. On peut très bien être sur un stable, mais passer en mode développeur quand même. Exactement. C'est-à-dire prendre la possession tu de sa machine. Tu peux n'importe quel channel et passer en développeur mode. Voilà, donc c'est deux choses qui sont complètement indépendantes. Je voulais juste préciser ça. Et effectivement, il peut passer un certain temps, ça dépend probablement un petit peu de la machine, mais jusqu'à une dizaine de minutes. Moi, j'ai essayé avec le petit HP 11, là. 10 minutes, ça m'a pris. D'accord. Donc, une fois que tu y es, bah, tu as accès à plein de nouveaux outils. En l'occurrence, le shell que tout à l'heure, on parlait. Maintenant, il est super. Tu as une autre ligne de commande. Tu peux taper juste shell. Et là, tu rentres comme si tu rentrais dans ta machine sur un terminal Linux. Tu peux faire un ls, tu peux faire un pwd, faire tout ce que tu veux. D'accord. Donc, ça, c'est juste ce que te permet de faire le développeur mode. Donc, tu peux installer VI si tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Un truc que les gens... oublie, c'est que comme tu peux le faire, n'importe qui peut le faire aussi. Donc si je laisse ma machine, que je vais aux toilettes, 3 minutes, 4 minutes, ça dépend ce qu'elle va envie de faire. Le mec il vient sur ma machine, fait CTRL-ALT-T, il peut venir, il fait sudo su et c'est parti, il est route. D'accord. Donc en gros, tu es développeur mode, mais tu sais ce que ça implique. D'accord. Donc une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on perd en fonctionnalité? Est-ce que toutes les updates, j'ai parlé rapidement des channels, est-ce que les updates continuent Donc les mises à jour arrivent toujours. Moi je suis toujours en développeur mode et je les ai toujours lues. D'accord. Ensuite, forcément, comme tu peux mettre n'importe quoi sur ta machine, tu perds une des fonctionnalités phares d'une machine Chrome, c'est ce qu'on appelle le boot vérifié. C'est-à-dire qu'il te laisse mettre n'importe quoi. Alors que quand tu achètes une machine par défaut, il n'y a que Chrome OS qui peut booter. D'accord. Et au moment du boot, par défaut, quand tu n'es pas dans ce mode développeur, on vérifie qu'il n'a pas l'image n'a pas été altérée avec des choses qu'on ne connaît pas. Ok, super. Bon, et dis-moi François, est-ce qu'on peut bien sûr revenir en arrière? Ouais, pas de souci. Ben, en fait, il suffit juste de lire les instructions qui sont sur ton Chromebook lorsque tu l'ouvres. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es en développeur mode, maintenant, tu attends 30 secondes et au bout de ces 30 secondes, tu as un petit bip. D'accord. Mais si tu lis ce qui est écrit, il te dit juste que tu as juste appuyé sur la touche espace, et ça te permet directement de faire entrer et de revenir en mode normal. Et ça, pour le coup, c'est pas 10 minutes, c'est 10 secondes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce mode-là? Ça permet donc de prendre possession en fait de sa machine et d'y installer par exemple une autre distribution. Parfait. Bon, bah écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous, ce mode développeur. Donc il y en a plusieurs, hein, récapitulons, il y a un mode développeur sur Chrome, le navigateur, pour les gens qui développent des extensions ou des Chrome Apps. C'est ça. Et puis il y a ce mode qui permet de prendre la main complètement sur la machine, pour la router, pour avoir ses privilèges route, mais également pour installer, et c'est le cas d'usage le plus fréquent, une autre distribution. C'est ça, exactement, ça t'a tout dit. Super, j'ai tout compris, j'espère que vous avez compris. À bientôt. Ciao.